Le Maroc abandonne le changement d'heure et l'autorité marocaine ont décidé de mettre fin au changement d'heure afin d'éviter les changements opérés à maintes reprises durant l'année et leurs répercussions à plusieurs niveaux, indiquent des médias. Le gouvernement marocain a adopté vendredi un projet de décret pour le « maintien permanent de l'heure d'été en vigueur actuellement », annulant le prochain passage à l'heure d'hiver prévu dimanche, a appris l'AFP de sources gouvernementales. Le but est de « maintenir l'heure d'été en vigueur actuellement afin d'éviter les changements opérés à maintes reprises durant l'année et leurs répercussions à plusieurs niveaux », selon l'exécutif, cité par la Maghreb Arab Press Map. Un responsable gouvernemental a confirmé à l'AFP que le passage à l'heure d'hiver n'aurait pas lieu dimanche. Le royaume restera donc à GMT1. Le maintien de l'heure d'été permettra de gagner une heure de lumière naturelle et de réduire la consommation d'électricité, a déclaré le ministre chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Ben Abdelkader, cité par la MAP. Prise sans débat ni concertation, cette mesure a suscité l'incompréhension et un large mécontentement sur les réseaux sociaux. La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc, RAM, a annoncé que les horaires de ses vols seraient retardés d'une heure depuis les différents aéroports marocains, à partir de dimanche. Le Maroc a instauré le changement d'heure en 2008, dans le but de réduire sa consommation d'énergie, comme l'avaient fait de nombreux pays européens.